Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit truc, c'est un petit peu spécial. C'est pas une vidéo comme d'habitude, je suis pas maquillée, tranquille, c'est dimanche, on se prend pas la tête. En fait, voilà, j'ai plein de petits. J'ai plein de petits trucs comme ça, mais c'est des trucs de fantaisie, c'est des petits bijoux fantaisie. J'en ai là. J'ai des petits choqueurs. Voilà, mais comme moi je fais des allergies, vous voyez, j'ai des petits choqueurs. Si vous voyez, voilà. Et malheureusement, je fais des allergies. Alors ça va, je fais pas d'allergies. Mais des petits bijoux fantaisie, je fais des allergies. Ça vient de Marrakech. J'étais obligée de les vernir. Voilà. Et pour les vernir, je prends tout simplement un vernis transparent. M&M, je sais pas où je l'ai acheté, celui-là, un petit vernis tout simple. Et par contre, après, c'est de la minutie. Après, voilà, je fais ceci. Voilà, là, il y a celle-ci, donc il faut la faire aussi. Voilà, faire les deux côtés. Je fais les deux côtés, j'ai déjà fait celle-là. Vous voyez, voilà les boucles d'oreilles, celle-ci. Mais le truc, c'est que malheureusement, il faut que je n'ai pas le choix que de mettre, et après je les fais sécher. Alors, je les fais sécher soit dans un petit plastique, comme ceci. Voilà. Ici, voilà, c'est un petit plastique. Vous voyez, là, une petite boîte. Donc, c'est pas mal d'ailleurs. Là, j'ai fait celle-ci. Alors, le souci, c'est que bien souvent, c'est que ça colle. Donc, ça va coller. Donc, il faut le décoller. Voilà. Je le décolle. Et ça me fait une petite boucle d'oreille de folie. Voilà. Et je la mets là. Ça fait un petit moment que j'ai acheté tout ça, mais je m'en occupais pas. Donc, je vais vernir tout ceci. Voilà. Même là, même à l'intérieur. Tant pis, on s'en fout plein les doigts. Hein. Mais surtout pas prendre un top coat, parce que le top coat, c'est cher. Hein. Voilà. Juste un truc de vernis. Voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle que j'ai fait, mais je refais. Vous voyez, hop, je mets les deux, comme ceci. Et voilà. Et surtout, ne pas oublier. Alors, par contre, si vous faites un collier, j'ai fait une bêtise, mais une bêtise monumentale et je l'aime à la folie. J'étais mettre du vernis sur le fermoir. Ne jamais faire ça. Jamais. Jamais, jamais. Vous le mettez là, mais surtout pas sur le fermoir. Parce que après, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, là, je continue. Vous voyez ? Moi, je vous conseille de prendre un neuf, hein, parce que moi, le mien, regardez, le mien, il est un peu vide, hein, parce que je le fais tout le temps, ça. Voilà. Hop. Et voilà une petite astuce pour les allergies. Ça, on peut, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut sans problème. Moi, je le fais dans le carton, comme ça, au moins, j'ai pas à les mettre après ailleurs. Voilà. Et là, ça va aller. Ici, vous voyez, hop, elles vont là. Maintenant, j'ai celle-là. J'ai une manie, c'est que j'achète énormément de bijoux. Quand je m'en occupe pas tout de suite, et après, je sais. Alors, parce que ma manie, vous savez, je fais un peu en même temps une story time, je vous raconte ma life. Ma manie, malheureusement, c'est de ranger. Je range, je dérange, mais je fous tout en l'air et je re-range. Et la semaine d'après, pareil, mon fils il me dit, mais c'est pas possible, maman, tu dois pas faire ça toute ta vie. Elles sont trop belles, regardez. Elles sont belles, hein. Voilà, bien sûr ça, la tâche. Et aussi une petite astuce, regardez, je vais vous montrer. Moi, je ne peux pas avoir les oreilles percées parce que malheureusement, j'ai eu un gros souci. J'ai eu un kyste qui s'est infecté et le chirurgien m'a dit, pour vous, c'est mort. Plus jamais, vous pourrez porter de boucles d'oreilles. Alors, il y a une petite astuce, c'est le magazine Parfois. Le magazine, n'importe quoi d'habitude avec les magazines. C'est la revue Parfois. Dans la revue Parfois. Ah, la revue, mais n'importe quoi. Le magazin, pas le magazine, la revue, le magazin. Le magasin Parfois,
Eh bien, ils vous vendent pour 1 euro une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci. Alors, ça dépend des boucles d'oreilles, mais vous avez, ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Vous avez un petit trou là et vous mettez dedans. Là, en l'occurrence, voilà, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Vous faites comme ça. Ici, vous voyez ce que je fais? Regardez. Vous faites comme ça, vous pincez et vous pouvez mettre n'importe quelle boucle d'oreille. Vous voyez? Voilà, maintenant je vais la mettre. Voilà. Et je peux. En fait, je fais ça. Toutes mes boucles d'oreilles, c'est ça. Parce que sinon, malheureusement, ben je peux pas. Alors j'en ai beaucoup des comme ça. Hein. J'en ai des dorés, j'en ai des argentés, mais quelquefois, le magazine parfois vous le. Oh, la revue. Ah! N'importe quoi. Le magazine. Le magasin. Oh là là, mais je. Oh là là, c'est grave. Le magasin, parfois, il est génial, on en trouve partout. Ils vendent des sacs à main, ils vendent des boucles d'oreilles, ils vendent des petits bijoux fantaisie, ils vendent pas mal de choses. Voilà. Donc celui-là, même là, hein, vous voyez, même ici. Parce que moi, ça me fait des boutons et des croûtes. Hein. Et je les adore. Alors je me suis dit, il faut vraiment la bague. Voilà, la petite bague. Maintenant, c'est ceci. Ça, c'est ma gazelle chérie qui me les a offerts. Alors, eh ben, on va les vernir, surtout les vernir, parce que là, c'est la cata. Alors, vous voyez, je prends ça, je fais comme ceci. Et hop, c'est de la patience, hein. En plus, je vous dis, le vernis, voilà, je sais plus ce que je racontais, mais c'est pas grave. Voilà. Vous me dites si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça, mes petites astuces, parce que j'ai énormément d'astuces. Je suis la reine des astuces. Je suis MacGyver. Comme je ne peux pas bricoler, je trouve toujours une solution à plein de choses. Je ne sais pas bricoler, je ne sais pas percer, je ne sais pas scier, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez bricoler. Je ne sais pas peindre. Si, je peins que des tableaux. Voilà. Je sais peindre, mais peindre en tant qu'artiste. Amateur, bien sûr. Voilà, je peins, je fais voilà. Alors ça, c'est les premières. Hop, voilà, je vous dis, je vais en même temps, on parle, je vous raconte ma life, vous allez en avoir marre. Mais je tenais à vous dire, voilà, ma petite astuce, comment je fais. Voilà, on fait ensemble, on partage. On va prendre un petit moment. Voilà, c'est fait. Ça, c'est ma petite gazelle chérie aussi, je crois qu'il me l'a offert, hein? Je sais plus. Elle m'a offert tellement de choses dans le concours. Mais ça aussi, c'est pareil. Même si c'est pour mettre dans les cheveux. C'est super joli en bracelet. Regardez. Moi, je vais mettre en bracelet. Je ne vais pas mettre dans les cheveux, ça va me les arracher. J'ai encore. Vous voyez, celle-ci, je ne l'avais pas fait. Regardez ce que ça donne. Et pourtant, elle est belle, hein. Mais maintenant, c'est bon. Là, j'ai plus d'allergie parce que. Mais voilà, mais celle-ci, je ne l'avais pas fait et j'aurais dû la faire. Elle n'aurait pas jauni. En plus, ça évite de jaunir. Voilà, alors ça, j'ai juste à vernir. Alors, c'est super, mais je ne vous dis pas pour faire épilation, c'est génial. Ça vous pince les poils, hein, mais un truc de malade. J'adore. Voilà, ça, faut que je le mette aussi. Il est super joli. Je l'adore aussi, mais il faut le vernir. Voilà. Écoutez, mes amis, ça aussi, je vais le vernir. Mes petits chokers, non, c'est pas la peine. Ah, mes choubidous, je les adore. Regardez. Ah, je les adore. Ils sont là. Je les ai cherchés partout. Regardez. Ils sont pas beaux. Regardez ça. Les petits ananas que j'aime à la folie. Et. Ah, ça aussi, je l'ai acheté. Je suis trop belle, hein, celle-là. Hein. Ben, je vais la vernir. Et puis, voilà. Celle-ci est faite et il y a juste le haut à faire. Heureusement que je parle parce que sinon vous vous ennuyeriez. Hein. Voilà, et maintenant je vais la mettre comme ceci. Oui, ça c'est une amie aussi qui me l'a offert, il est trop beau. Je vais vous raconter la petite anecdote. J'ai acheté ceci. Là, il est trop joli, regardez. Voilà, j'ai acheté ceci. Et elle me dit, mon amie Karima me dit, mais pourquoi tu prends pas le bracelet? Je dis, non, non, ma chérie, c'est bon, j'ai déjà fait assez de dépenses comme ça. Et je la vois, elle achète le bracelet. Je fais, ah, bah tu t'as acheté le bracelet, c'est cool. Et en fait, elle me l'a offert. Je trouvais ça trop mignon, trop choupinou.
Voilà, donc merci Karima, j'adore. Mes amis, comme je vous dis, vous voyez, j'ai même l'œil qui pleure parce que moi, j'ai fait des allergies au pollen. Je vous fais plein de gros bisous. Si ma vidéo vous a plu, dites-moi si en commentaire vous voulez que je fasse des petites vidéos comme ça ou si ça vous plaît pas du tout, je le comprendrai. Hein. Mettez un pouce si elle ne vous plaît pas. La 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 la, prends garde à toi et abonnez-vous. Bisous mes choubidous, je vous aime. Bisous, 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 bye bye.